Salut Pépette. Pour info, Reynald a avancé la conférence de rédac. À ce quelle heure? Il y a une demi-heure. Oh merde. T'inquiète. J'ai raconté un boire comme quoi t'étais allé interviewer un type du genre matinal. Ah c'est cool, merci. Il s'est dit quoi d'intéressant? Rien, comme d'hab. Tiens, voilà les dépêches AFP. Vois si tu trouves ton bonheur. Ici au Pila, la stupeur se mêle à l'horreur. C'est tôt ce matin que des ouvriers chargés de creuser les fondations d'une nouvelle résidence ont fait cette macabre découverte. Alors si la gendarmerie se refuse à tout commentaire, une source qui tient à rester anonyme nous a confirmé que le squelette qui a été exhumé était en très mauvais état. Alors selon toute vraisemblance, le corps serait enterré dans ce terrain depuis des années et on ignore encore l'identité de la victime. C'était Michel Thébeuf pour France 3. On a retrouvé un corps au Pila, je vais m'en occuper. Bonjour à toi aussi et merci d'avoir frappé avant d'entrer, mais la réponse est non. Écoute seulement ce que j'ai à te dire. J'écoute rien du tout, la semaine prochaine tu couvres les assises. Reynald, je te promets d'être de retour lundi, mais je veux cette affaire, sinon je... Sinon quoi? Tu fais chier, Elise. Hein, tu pointes ici à n'importe quelle heure avec tes grands airs comme si on était encore ensemble. Mais j'ai besoin de cette affaire. Si t'as encore un petit peu de sentiment pour moi, ah, non, tu... Non, tu me fais pas le coup des sentiments, c'est un peu facile ça. Bon, très bien. J'ai une tonne de congés en retard, je vais peut-être les prendre. Non plus. Si tu fais ça, tu peux passer à la compta, prendre ton solde de tout compte. Tu menaces de me virer? Te fatigue pas, c'est moi qui pars. J'aimerais parler au responsable de l'enquête. Impossible. L'accès est fermé au public. Je suis journaliste et j'ai besoin de parler. Pas de commentaires à la presse. Surtout, tu me fais tous les prélèvements. Envoyez ça au public. Alors, ça donne quoi? On a affaire à une femme. Aucun doute là-dessus. Vu la taille du bassin, elle avait sûrement moins de 20 ans. Il faut plus de 10 ans pour obtenir une telle décomposition. Barthélémy ! Il va falloir sortir les vieux dossiers. Vous savez où ils sont rangés ? Je crois à la cave. Hé ! Hé, vous n'avez pas le droit ! Lâchez-moi, il faut que je lui parle ! Mais lâchez-moi, enfin, je dois vraiment lui parler ! Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? C'est une fille ! Environ 17 ans, et elle est enterrée là depuis longtemps. Lâchez-la. Vous avez 2 secondes pour me dire comment vous savez tout ça. C'est ma sœur. J'étais avec elle la nuit où elle a disparu. Et ça fait 15 ans que j'attends de la retrouver. Bon, surtout cette fois-ci, vous respectez bien la prescription, madame de Beaumont. Je vais faire attention. 2 par jour, pas plus, sinon vous allez avoir des vertiges. C'est promis. Ok. Mais je vous ai tout écrit en gros sur la boîte. C'est bon. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Au revoir. Élise ? Bonjour, Carole. Qu'est-ce que tu fais là ?
Son père m'a pas dit que tu viens me voir. Bah, j'ai essayé de l'appeler, mais je suis tombée sur sa messagerie. Tu sais où il est? Oui, Antoine est à Toulouse. Il a un gros chantier. Bah, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Peut-être que t'as vu un fantôme. Bah, j'imagine que t'es pas au courant, mais on a retrouvé un corps au Pila. Quand j'ai su ça, j'ai tout de suite pensé à Laura. Je suis allée voir la police. La police? Les cadavres qui refont surface, ça arrive pas tous les jours. Et j'avais raison, puisque le corps correspond à celui de Laura. J'ai rendez-vous à la gendarmerie pour identifier le corps. C'est pour ça que je voulais voir papa. Je veux pas y aller toute seule. Ah non, mais t'inquiète pas, je suis là, je vais venir avec toi, moi. T'es pas obligée, Carole. Je vais pas te laisser affronter ça toute seule. Autant vous prévenir, vous ne verrez pas le corps. Ça ne servirait à rien de toute façon et je préfère vous épargner cette épreuve. Comment vous voulez qu'on l'identifie alors? Il reste quelques effets personnels. Pas grand-chose à vrai dire, mais si vous pensez qu'ils appartenaient à votre sœur, alors nous ferons des tests ADN pour confirmer. J'imagine qu'après toutes ces années, il n'est pas évident. C'est elle. C'est Laura. Vous confirmez? Oui. C'est le bracelet que j'avais offert à Laura pour ses 17 ans. Qu'est-ce que vous cherchez? Laura avait un collier qui appartenait à ma mère. Elle s'en séparait jamais. Aucun collier ne figure dans l'inventaire. Comme je vous le disais, je vais avoir besoin d'échantillons d'ADN. Et je vais également devoir vous interroger dès que possible. Vous savez quand rentre votre mari? Il sera là dans la soirée. Je passerai chez vous vers 19h. D'ici là, les conclusions de l'autopsie nous auront certainement éclairé sur les circonstances de la mort. Au revoir. À tout à l'heure. Comment tu te sens? Je sais pas trop. D'un côté, je suis soulagée qu'on l'ait enfin retrouvée, mais de l'autre, je... La petite lumière qui vacille encore vient de s'éteindre. Même si je savais que c'était quasiment impossible, il y a une partie de moi qui espérait que Laura avait réussi à s'enfuir de cette forêt. Et qu'elle était vivante quelque part. Maintenant, on sait que c'est faux. Ça m'ennuie de pas rester avec toi dans un moment pareil, mais il faut que je retourne à la pharmacie. Bon, Mathéo doit être rentré de l'école, mais au cas où. Merci, Carole, pour tout. Ouvre les yeux, ma puce. Laura, quelle heure il est? Fais pas de bruit. Papa est
et Carole sont couchés. Pourquoi t'es toute habillée? Tu pars? Je ne sens pas toutes les deux. Hein? Mais moi, je veux pas partir. Tu te rappelles de la promesse que je t'ai faite quand maman est morte? Je t'ai juré que je te laisserai jamais. Jamais. Élise. Allez, n'aie pas peur. T'es plus un bébé maintenant. Bravo, c'était magnifique. Élise, alors ça, c'est trop cool. Laisse-moi te regarder. C'est dingue ce que t'as grandi. T'es un vrai petit mec, toi, maintenant. Bah, c'est juste que t'es pas venu depuis Noël. Je sais pas trop comment t'annoncer ça. C'est à cause de Laura que je suis revenue. On a retrouvé son corps, ce matin. Quoi? Mais c'est horrible, vous l'avez retrouvé? Non, Mathéo, s'il te plaît, pose pas de questions. Je sais que c'est pas évident d'être traité comme un gosse, mais je t'assure que t'as pas besoin d'en savoir plus. C'est moche qui est arrivé à ta sœur. C'était aussi la tienne. Ouais, mais c'est pas pareil. Je l'ai pas connue, moi. Elle était comment? Papa et Carole te parlent jamais d'elle? Ça me surprend pas. Pas bazarder toutes ses affaires, il fait comme si elle avait jamais existé. Tu te trompes. Il a pas tout jeté. Maman aime pas que je traîne ici. Mais des fois, j'ai fouillé. Tiens, regarde, les affaires de Laura sont dans ce carton. Elle te manque? Tout le temps. Il n'y a pas un jour où je pense pas à elle. Elle était à Laura, cette guitare. Tu sais qu'elle était comme toi? C'est une vraie fan de musique. Qu'est-ce que c'est? Le journal de Laura. 97, 98. Oh oh. Moi, faut pas que je reste ici. Si maman elle me voit, elle va me tuer. Je viens avec toi. Ouais.
Ben, j'ai vu mieux. Carole m'a raconté ce qui s'est passé. Ça a dû être terrible pour toi de revivre ça après toutes ces années. Je suis désolé. J'aurais dû être avec toi. C'est pas grave, papa. Carole a été super. Dis-moi, à propos de cet interrogatoire avec cette gendarme, je me disais que ce serait peut-être mieux que tu nous laisses parler, Carole et moi. Pourquoi ? Tu étais très jeune à l'époque où ta sœur a disparu. Et il se pourrait que ta mémoire... Papa, toi et moi, on sait très bien que c'est pas parce que j'avais 10 ans que je me souviens pas de ce qui s'est passé. J'ai subi un traumatisme, mais je me souviens parfaitement de Laura. J'ai raté quelque chose ? Non, non. On discutait, c'est tout. Je suppose que tu restes dormir ici ce soir ? Oui, 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 si ça vous dérange pas, oui. Elle dit pas de bêtises. Allez, viens. Ah, Élise, ça ne t'ennuie pas de dormir dans la chambre de Laura ? Parce que la chambre d'amis est en travaux ? Non, non, ça ira. Très bien, je te laisse t'installer pendant que je prépare le dîner. Mademoiselle, s'il vous plaît. Notre légiste a mesuré le squelette que nous avons retrouvé. Et sa morphologie correspond à celle de votre fille. L'autopsie a révélé des fractures et des traces d'enfoncement au niveau du crâne, ce qui sous-entend qu'elle serait tombée violemment ou que quelqu'un l'aurait frappée avec un objet contondant. Évidemment, je penche plutôt pour la seconde hypothèse. Sinon, pourquoi se serait-on donné la peine de cacher le corps ? Nous avons également réussi à isoler d'infimes traces de sang sur ses vêtements. C'est sûrement celui de votre fille, mais j'ai quand même envoyé les prélèvements au labo. Je devrais avoir les résultats en même temps que ceux des tests ADN. J'ai relu le rapport avant de venir et je me demandais si vous saviez ce que vos filles faisaient dans les bois au milieu de la nuit. Laura avait l'habitude de faire le mur. Je suppose qu'Élise a voulu la suivre ce soir-là. Votre fille y couchait souvent ? Elle faisait quoi quand elle sortait comme ça ? Elle avait un petit copain qu'elle allait retrouver ? Aucune idée. Écoutez, pour être honnête, Laura était une ado secrète et tourmentée. 2 ans avant sa disparition, sa mère est morte brutalement et son décès l'a profondément marquée. C'est-à-dire ? Ce qu'Antoine essaye de vous expliquer, c'est que Laura était très difficile les derniers temps. Elle refusait l'autorité et elle supportait pas que je m'occupe de son éducation. Ça me faisait beaucoup de peine. J'ai jamais baissé les bras. Je savais qu'elle souffrait et sa maman lui manquait. Non, la vérité, c'est que Carole a été beaucoup plus présente que moi auprès des filles. Pendant les 2 ans qui ont suivi la mort de sa mère, Laura nous a tout fait. L'anorexie, les pétards, les sorties nocturnes. Je vous parle même pas de ses résultats scolaires qui étaient catastrophiques. Je la voyais s'enfoncer, mais je savais pas quoi faire. Est-ce que vous avez gardé des affaires de votre fille ? Quand Laura a disparu, j'ai passé des mois à aller dans sa chambre tous les soirs. J'y restais des heures. J'avais l'impression de vivre un véritable enfer, mais je pouvais pas m'en empêcher. Et puis un jour, j'ai décidé de tout jeter. C'était ça ou prolonger indéfiniment cette torture. Je comprends. Je vous promets de tout faire pour résoudre le meurtre de votre fille. Mais c'est une vieille affaire. Il n'est pas certain qu'on parvienne à l'élucider. D'autant que le rapport d'enquête n'est pas des plus étayés. Il faut dire que votre prédécesseur n'était pas un foudre de guerre. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Simplement que Jean-Pierre Gans a très vite classé l'affaire. Non, il a fait ce qu'il a pu. Je te rappelle qu'on n'avait pas retrouvé le corps de Laura à ce moment-là, qu'on ne savait même pas si elle était vivante ou morte.
Barthélémy. Ok, j'ai compris. Je vais chercher l'adresse de Gans. Bien, je vous tiens au courant. Ça vous dérangerait de m'accompagner dehors? J'aimerais vous parler deux minutes. J'avoue que votre cas m'intrigue. Bonsoir, est-ce que je pourrais avoir des renseignements sur un certain jour? Vous étiez avec votre sœur cette nuit-là et pourtant vous n'avez jamais pu raconter ce qui s'était passé. Vous souffrez d'un blocage psychologique, c'est ça? C'est un évitement suite à un stress post-traumatique. C'est le terme que les médecins utilisent pour parler de mon amnésie partielle. Je donnerais n'importe quoi pour que la mémoire me revienne. Même l'hypnose n'a pas marché. Et d'après mon psy, il n'y a qu'un choc émotionnel qui pourrait raviver mes souvenirs. Un choc émotionnel? Comme de vous retrouver face au meurtrier de votre sœur, par exemple? Vous avez sûrement des obligations, mais j'apprécierais que vous restiez dans les parages quelque temps. Au cas où. Merci. J'ai appelé le fichier central et Gans a pris sa retraite dans le coin. Il habite du côté de l'herbe. Vous voulez qu'on y fasse un saut? Non, pas tout de suite. J'irai l'interroger demain matin. Je pourrais d'abord relire tout le dossier. Après toutes ces années, on savait bien qu'il n'y avait plus d'espoir, de toute façon. Bah, dis donc, Mathéo, c'est pas parce que ta sœur est là qu'il faut te coucher tard. Allez, au lit. Bonne nuit. On parle pas de Laura devant Mathéo. Enfin, il est très sensible. J'ai pas envie qu'il soit perturbé par toutes ces horreurs. En tout cas, maintenant, je suis apaisée de savoir que Laura va enfin reposer en paix. Pas tant qu'on saura pas ce qui lui est arrivé. T'as entendu Colombani. Ça se trouve, on connaîtra jamais la vérité. Et ça vous suffit? Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin de savoir. Ton père et moi, on a cessé d'y croire depuis longtemps. Tu devrais te résigner, toi aussi. Carole a raison. Ce qui est arrivé à ta sœur est terrible, mais malheureusement, on n'y peut rien. Ah, d'accord. Donc si je comprends bien, on reprend tous nos petites vies, on fait comme si de rien n'était? Ça suffit, Élise. J'ai l'intention de faire le deuil de ta sœur et tu ferais bien d'en faire autant. Et si ça te plaît pas, t'as qu'à rentrer à Bordeaux. Élise! Mais t'es amoureuse ou quoi? Pourquoi tu fais ce mimeuse faire plein de bisous comme ça, hein? Oh, Élise, elle est amoureuse. Septembre 1997. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de ma petite sœur. Pour fêter ça, on est tous allés pique-niquer sur la plage. Élise était folle de joie et n'arrêtait pas de rire, mais moi, je pensais à maman. Ça fait un peu plus d'un an qu'elle est morte et c'était étrange de faire la fête sans elle. Je crois que papa l'a vue, mais il n'a rien dit comme d'habitude. Ouais. 5 janvier 1998. Virginie m'avait bien dit que Benoît n'était qu'un salopard d'égoïste, mais j'ai pas voulu l'écouter. T'es vraiment trop conne, ma pauvre Laura. Voilà ce que j'ai pensé quand elle m'a raconté que ce salaud m'avait fait cocu. Évidemment, quand j'en ai parlé, Benoît m'a dit qu'il m'aimait, que c'était des ragots. Mais j'ai envie de croire Virginie. C'est ma meilleure amie et je sais qu'elle me mentirait jamais. Virginie. Pasteur. Moi. Avril 1998. Après des semaines sans lui parler, j'ai revu B ce soir. J'avais le cœur qui battait la chamade pendant qu'il me raccompagnait.
Il nous a bien fallu une heure avant de revenir ici en passant sur la plage, mais ça nous a laissé le temps de discuter et de s'embrasser aussi. Je ne sais pas comment décrire ce que je ressens pour lui. Si, je sais. Je crois que je l'aime. Bientôt 2 mois que je sors avec B. Pour la première fois depuis la mort de maman, j'ai l'impression d'être à nouveau heureuse. B est mon âme sœur. Et je tiens à ce que notre histoire reste secrète. C'est pas facile de garder un secret dans une petite ville, mais on a trouvé des astuces. Comme cette cabane, proche de la croix Saint-Nicolas. Elle n'est pas très confortable, mais c'est la nôtre. Et quand B me rejoint, elle devient le plus bel endroit du monde. Je crois que Virginie se doute de quelque chose. Je vais sûrement devoir lui parler de B. Non. Non, c'est pas possible. Pas maintenant. Pourquoi personne ne m'a dit qu'il y avait un chantier du côté des prés salés ? Le PLU a changé et la région a lancé un appel d'offres quand la zone est devenue constructible. C'était en décembre et vous étiez en vacances. C'est là-bas qu'on a retrouvé le corps de votre fille. Je n'ose même pas imaginer à quel point ça doit être horrible. Mais si vous avez besoin de parler, je suis là, Antoine. Merci, Cécile. Commandant Gans ? Ah, épargnez-moi le protocole. Jean-Pierre Gans, maintenant. Bon, apparemment, c'est pas parce que je suis à la retraite que vous allez me foutre la paix. Votre rapport est très succinct. Vous trouvez que j'ai mal fait mon boulot ? Disons que je m'interroge. Il est pas simple de rouvrir une affaire aussi ancienne. Et vous savez comme moi que les chances de résolution sont minces. Alors avec un dossier aussi vide... Si vous avez fait tout le chemin pour me dire que j'ai bâclé l'enquête, feriez mieux de dégager, la porte juste derrière vous. On n'est pas obligé de se faire la guerre, vous et moi. Une gamine est morte. Tout ce que je vous demande, c'est de m'aider à retrouver celui qui l'a tuée. Bon. Alors d'abord, faut que vous compreniez qu'à l'époque, on n'avait pas toute la technologie d'aujourd'hui. L'ADN, pour nous, c'était qu'un gadget. Alors on a suivi la procédure habituelle, on a interrogé l'entourage, les voisins, les profs. Mais ça n'a rien donné, le brouillard total. Avec le recul, il n'y a pas des personnes qui vous semblaient plus suspectes que d'autres? Le petit merdeux de Benoît Ringer, là. Lui, il était pas clair. C'était l'ex-petit copain de Laura, c'est ça? Un gosse de riche, il se croyait tout permis. Alors, d'après les témoignages qu'on a recueillis, lui et la petite Laura étaient encore ensemble. Enfin bon, plus ou moins. Hein. Toutes les copines de la gamine nous ont dit que c'était un petit con arrogant et violent. Mais j'ai jamais rien pu prouver. Dès que j'ai voulu l'interroger, ses parents nous ont collé une batterie d'avocats aux fesses. Thank you.
l'impression d'être à nouveau heureuse. B est mon âme sœur. Et je tiens à ce que notre histoire reste secrète. C'est pas facile de garder un secret dans une petite ville. Mais on a trouvé des astuces. Des tas d'astuces. Comme cette cabane où on se retrouve le soir et qui est proche de la Croix Saint-Nicolas. Allô? Oui, c'est le capitaine Colombani, je vous dérange? Non, pas du tout. Est-ce que vous pourriez passer à la gendarmerie? J'aimerais tenter une petite expérience, si vous êtes d'accord. J'ai repensé à notre discussion de l'autre jour, au sujet de ce choc émotionnel qui pourrait réveiller vos souvenirs. Il se trouve que nous avons un suspect et qu'il m'attend en salle d'interrogatoire. C'est qui? Benoît Ringer. L'ex-petit copain de votre sœur. Je me suis dit que vous auriez peut-être un déclic en le voyant. Ça coûte rien d'essayer, non? Par ici. Installez-vous. Je vous remercie d'avoir accepté de venir répondre à mes questions. Vous m'avez pas vraiment laissé le choix. Mais je suis toujours ravi d'aider les forces de l'ordre. Alors, pendant votre année de terminale, vous sortiez avec Laura Castel. Vaguement, oui. Disons qu'à l'époque, j'avais plusieurs copines et Laura était juste une fille parmi les autres. Bien sûr, oui. Vous étiez un vrai Casanova. Apparemment, la tendresse, c'était pas votre truc, hein. D'après le rapport d'enquête, vous étiez plutôt du genre bagarreur. Vous avez même agressé un surveillant de lycée. Je vous vois venir avec vos gros sabots, Madame Colombani. Vous voulez savoir si j'ai levé la main sur Laura Castel? La réponse est non. Écoutez, Laura était juste une fille mignonne et facile, mais elle avait rien d'exceptionnel. On s'amusait bien ensemble, c'est tout. Alors dites-moi, pour quelle raison l'aurais-je frappée? Peut-être parce qu'elle vous trompait. Et que ça vous a mis en colère quand vous l'avez découvert. Qui vous a dit ça? Mon sens inné de la psychologie féminine. Quand un homme trompe sa femme, il faut s'attendre à ce qu'elle en fasse autant. Pour se venger. Laura vous trompait, n'est-ce pas? Quelques mois avant de disparaître, Laura m'a plaqué. J'ai jamais eu de preuve ou quoi que ce soit, mais j'étais sûr qu'elle avait un autre mec. Et ça, vous l'avez pas supporté? Vous, vous pouviez la tromper autant que vous vouliez, mais il est hors de question qu'elle en fasse autant. Écoutez-moi bien, car je ne vous le répéterai pas, je n'ai pas tué Laura Castel.
J'ignore avec quel type elle sortait, mais si vous voulez trouver le mec qui a fait ça, eh bien c'est ce type-là que vous devriez chercher. Très bien. Mon adjoint va venir s'occuper de vous. Alors, verdict ? Son visage et sa voix me disent rien. De toute façon, je crois pas que ce soit lui qui a tué votre sœur. À mon avis, il se fichait complètement d'elle et de ce qui pouvait lui arriver. Vous pensez qu'il dit la vérité à propos de cet amant secret ? Vu l'état dans lequel il s'est mis, je crois pas qu'il mente. Le problème, c'est que le nom de cet homme ne figure nulle part dans le rapport d'enquête. Virginie Pasteur. Je cherche Virginie Pasteur. Elle est devant vous. Je suis Lise Castel, la sœur de Laura. C'est fou ce que tu lui ressembles. En te voyant arriver, j'ai cru que j'avais une hallucination. J'aimerais bien qu'on parle de Laura, toutes les deux. Bien sûr. J'arrive. Ça m'a filé un coup d'apprendre qu'on l'avait retrouvée. Laura méritait pas de finir comme ça. Ta sœur et moi, on était les meilleures amies du monde. Toujours fourrées ensemble. Elle était comment ? Elle était vraiment chouette. Et je peux te dire qu'elle faisait tourner pas mal de têtes. Laura, elle était pas seulement belle. Elle avait quelque chose de mystérieux que les autres n'avaient pas. C'est pas ce que dit Benoît Ringer. Ce mec a toujours été un crétin. J'ai jamais compris pourquoi ta sœur sortait avec lui. Et son dernier petit copain, vous le connaissiez ? Quel petit copain ? Laura avait un journal et elle y parle souvent d'un garçon qu'elle surnomme B. Apparemment, ils sortent encore ensemble quand elle a disparu. J'ai retrouvé de vieilles photos, je peux vous les montrer ? Lui, là. Son prénom, c'est Benjamin. Chaque lycée a son rebelle de service. Le nôtre, c'était Benjamin Gans. Une gueule d'ange et des airs torturés qui plaisaient à ta sœur. Gans, comme le gendarme ? C'est son fils. Heureusement qu'il avait son père pour le tirer du pétrin quand il faisait des conneries. Après la disparition de ta sœur, Benjamin s'est engagé dans l'armée, on l'a plus revu pendant des années. Il est revenu il y a 5 ans. Il est devenu ostréiculteur, à ce qu'on m'a dit. C'est pour des factures impayées, vous feriez mieux de faire la queue. Il y a déjà un huissier qui est passé ce matin. Non, je viens pas pour ça, non.
Ma dette est plus ancienne. Elle concerne Laura Castel. De quoi vous parlez, là ? De ma sœur, qui a été tuée il y a 15 ans. Vous vous souvenez d'elle ? Elle était dans le même lycée que moi, ouais. Enfin, je la connaissais pas vraiment. Pourtant, c'est bien vous, là, sur cette photo. Ouais, c'est moi. Et alors ? Votre frangine et moi, on a dû se croiser à des soirées, mais c'est pas pour ça qu'on était copains, tous les deux. Écoutez, je veux pas être désagréable, mais j'ai déjà la moitié de mes huîtres qui est foutue à cause de cette putain d'algue. C'est bon. J'ai compris. Vous m'avez suivi, c'est ça ? Hein ? Vous savez très bien pourquoi je suis là. Dès que j'ai vu votre tatouage, j'ai su que vous sortiez avec ma sœur. C'était vous, B. Lâchez-moi ! Lâchez-moi, espèce de malade ! Complètement cinglé. Je sais pas ce que vous cherchez au juste, mais vous allez avoir des problèmes à fourrer votre nez partout. Vous me faites pas peur. Je vous donne un conseil. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Foutez-moi la paix. Je vous le dirai pas deux fois. Antoine, qu'est-ce que tu fais debout ? J'ai pas sommeil. Rendors-toi, tout va bien. T'inquiète pas. T'es récupéré pour Élise, je vois bien. Qu'est-ce qu'elle cherche ? J'ose pas imaginer ce qui se passerait si elle... Arrête ! Elle est beaucoup plus structurée que sa mère. Enfin, je crois. Ouais, tu vois. Toi-même, t'en es même pas sûr. Bon, écoute, je vais rester près d'elle. Tu veux ? Elle me rassurerait. En plus, elle te fait confiance. Je vais prendre soin d'elle. Allez, viens. Quoi de si urgent pour que tu viennes me voir ? Ton avis.
J'ai discuté avec ma remplaçante, Colombani. C'est elle qui a repris l'enquête sur la petite Castel. Elle a l'air du genre tenace. Elle n'est pas la seule. J'ai reçu la visite de la sœur de Laura aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle te voulait ? Me poser des questions. Je sais pas comment, mais elle a découvert que je sortais avec Laura. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Bon, tu dois te mettre ouvert pendant quelques temps. Mais non, impossible. Si je pars maintenant, on t'en met la clé sous la porte. Mais bordel, mais on s'en balance de ton élevage d'huîtres ! T'as pas l'air de piger ce qui se passe ! Tu vas me foutre la paix, toi aussi ? Je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Mais vas-y, frappe-moi, qu'est-ce que t'attends ? Vas-y ! T'as jamais rien su faire d'autre, de toute façon. Ma journée pour m'occuper du cadeau de Matteo. Alors, son anniversaire est dans 3 semaines, mais je me suis dit que ça serait bien qu'on prenne un peu d'avance. Ça fait un moment qu'on n'a pas passé du temps ensemble. Ça te dirait de venir avec moi? C'est papa qui t'a demandé de me surveiller? Surveiller, tout de suite les grands mots. Non. Non, mais c'est vrai qu'on se fait du souci pour toi. J'ai déjà un truc de prévu. Mais tu peux venir avec moi si tu veux. C'est bien qu'on n'ira pas faire du shopping, mais tu peux m'expliquer ce qu'on fait là? Tu vois la maison avec la moto garée devant? C'est celle de Benjamin Gans. Hier, j'ai découvert qu'il sortait avec Laura quand elle a disparu. Tu trouves pas ça bizarre? Et qu'est-ce que tu comptes faire? L'espionner toute la journée? Non, pas vraiment. Tu dis rien à ton père, hein. Il pense que j'ai arrêté. C'est mon petit secret. On en a tous, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as pas dit que t'avais réussi à rentrer dans la forêt. Je t'ai vu ce matin. Ça va mieux, alors? Je voulais retourner à la cabane de Laura. Tu te rappelles d'une cabane? Viens, on y va. Qu'est-ce que tu veux faire? Élise! Tu comptes pas entrer quand même? Si je veux des preuves, va bien falloir. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Élise! Si tu préfères, tu peux m'attendre dans la voiture. On sera pas trop deux pour tout fouiller. Viens.
T'as qu'à fouiller par là, je vais par là. C'est le collier de Laura. Et qu'est-ce que c'est, ça? Des pages du journal de Laura. Celles qui ont été arrachées. Elle écrit noir sur blanc qu'elle aime Benjamin Gans et qu'elle veut plus se cacher. Faut qu'on aille parler à Colombani. Non mais qu'est-ce qui vous a pris de faire une chose pareille? Vous vous rendez compte que c'est parfaitement illégal? Exactement ce que je lui ai dit. Mais si j'étais venue vous parler de Benjamin Gans, vous m'auriez foutu dehors. Et qui vous dit que c'est pas ce que je vais faire? Dans ce cas, rendez-moi le colis de ma sœur. Hors de question, c'est une pièce à conviction. Pendant 15 ans, Benjamin Gans a profité de sa petite vie bien tranquille. Pendant que ma sœur, elle croupissait au fond d'un trou. Bon, ok, je vais l'interroger sur la base des éléments que vous nous avez fournis. Mais dorénavant, vous restez sur la touche. Je veux être là quand vous l'interrogerez. Vous notez bien ça. D'où vous sortez ça? La vraie question, c'est pourquoi ce collier se trouvait chez vous? C'est Laura qui me l'a donné. Et pourquoi elle aurait fait ça? Parce qu'elle m'aimait. Le problème, c'est que ce collier appartenait à sa mère. Et je doute fort qu'elle voulait donner de son plein gré. D'autant que la chaîne est cassée. Alors maintenant, on va arrêter le baratin et vous allez m'expliquer comment vous l'avez eu. À quoi ça servirait, de toute façon? Puisque vous ne me croirez pas. Essayez toujours. Vous feriez mieux de vous montrer très convaincant. Laura et moi, on avait trouvé une vieille cabane en bois, pas loin de chez elle. Quand j'ai appris qu'elle avait disparu, j'ai tout de suite cru qu'elle s'était cachée là-bas. Qu'elle avait fait une fugue ou un truc du genre. Et voilà, quand je suis arrivé, la cabane était vide. Et tout ce que j'ai trouvé, c'était ce collier par terre. La chaîne était cassée. Là, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Comme si elle s'était battue avec quelqu'un. Je sais, c'était pas très malin, mais ce collier, c'est tout ce qui me restait d'elle. C'est pour ça que je l'ai gardé, en souvenir. Jolie histoire. Mais vous savez ce que je crois? Ce collier, vous ne l'avez pas gardé comme un souvenir, mais comme un trophée. Laura était une jolie fille, elle était très courtisée. Pendant un temps, vous êtes sortis ensemble, mais elle a fini par se lasser. Sauf que vous, vous étiez fous amoureux. Et vous n'avez pas supporté qu'elle vous quitte. C'est pour ça que vous l'avez tuée. Je vous interdis de dire ça. Je l'aimais. Je lui aurais jamais fait de mal. Jamais, vous m'entendez? Ces explications sont plausibles, mais elles restent vaseuses. Je me trompe peut-être, mais je l'ai trouvée sincère. J'en sais rien. Mais je vais le garder au chaud pour cette nuit. Jean-Pierre Gans n'est pas un crétin. S'il a écarté son fils de l'enquête, il y a forcément une raison. Ma parole, mais vous êtes aussi inconsciente l'une que l'autre! Bon, toi, que t'en fasses qu'à ta tête, je commence à avoir l'habitude, mais toi, mais que tu la suives dans son délire, alors là, ça m'échappe. Mais attends, on dirait que je suis folle! Ah oui, parce que tu trouves ça normal, toi, d'aller forcer la porte d'une maison pour y chercher je sais pas quoi? Mais j'ai trouvé le collier de Laura. Si c'est pas une preuve, je sais pas ce qu'il te faut. Et je vais te dire ce qui, à moi, me paraît très normal. C'est que mon père soit heureux que l'enquête avance. Et que je retrouve enfin la mémoire. Mais ça, on dirait que tu t'en fiches complètement. Bah, écoute, je sais plus comment lui parler. Débrouille-toi avec elle.
Le tireur était posté là-bas, à moins de 100 mètres de vous. Vous avez eu de la chance qu'il vous rate. Ça allait trop vite, j'ai rien vu. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas Benjamin Gans. Je l'ai libéré après votre appel. Tenez, elle était logée dans un arbre. Ça m'a tout l'air d'être du 38 ou du 9 mm. Hein. Du gros calibre. Celui qui vous a tiré dessus ne faisait pas semblant. Je commence à me dire que j'ai commis une erreur en vous impliquant dans cette enquête. Non, vous pouvez pas dire ça. Ce qui vient de se passer prouve que on se rapproche du meurtrier. Et il panique. Raison de plus pour vous tenir à l'écart. Je tiens pas à avoir votre mort sur la conscience. Je sens que ça va pas vous plaire. Mais vous devriez partir d'ici. Rentrer à Bordeaux. Je vous promets de vous tenir informé. Mais je veux plus vous avoir dans mes pattes. Vous allez me harceler encore longtemps ? Je suis venue vous présenter mes excuses. Ah ouais ? Eh ben vous pouvez vous les garder. S'il vous plaît. Je comprends que vous m'en vouliez. Mais si vous aimiez vraiment Laura, vous devez me laisser une seconde chance. Vous lui ressemblez vraiment beaucoup, vous savez. Ça fait des années que je m'interdis de parler d'elle. Mais alors il est temps d'arrêter, vous croyez pas ? On dirait que vous êtes la seule à vous soucier de Laura. Par ici, c'est comme si elle avait jamais existé. Rayez de la carte. Vous pensez encore à elle ? Je l'aimais, votre sœur. Je l'aimais comme j'ai jamais aimé personne. Vous êtes rencontrés comment ? La photo que vous m'avez montrée, c'était à cette soirée. Je l'ai surprise en train de pleurer et je suis allé lui parler. On a passé la nuit à discuter de nos vies, de nos mères qui nous manquaient à tous les deux. La mienne s'est barrée quand j'avais 8 ans. J'imagine qu'elle en a eu marre des colères de mon père. Toujours est-il que Laura et moi, on a senti qu'on était pareils tous les deux. Et vous avez une idée de ce qui a pu lui arriver ? Je sais qu'elle n'est pas allée dans la forêt uniquement pour flirter avec vous. Elle avait prévu de s'enfuir, c'est ça ? Vrai, ça, on devait se retrouver dans notre cabane et filer en douce. Ça faisait des semaines qu'on en parlait. On rêvait de se tirer d'ici. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Au dernier moment, j'ai pas eu le cran d'y aller. J'avais que 17 ans, quoi. J'ai eu la trouille. La vérité, c'est que quand Laura est morte, j'étais en train de me biturer sur la plage comme un con. Si j'avais été là, rien ne se serait passé. Et elle serait encore vivante. C'est pas de votre faute, ma chambre. Le vrai coupable, c'est celui qui l'a tué. Vous savez pourquoi Laura voulait s'enfuir ? Je sais qu'elle supportait plus de vivre ici. Je crois que c'était à cause du suicide de votre mère. De quoi vous parlez ? Le suicide de votre mère, ça l'obsédait. Elle comprenait pas pourquoi elle avait fait ça. Ma mère ne s'est pas suicidée, elle est morte dans un accident de voiture. C'est pas ce que disait Laura ? Tu m'as jamais dit que maman s'était suicidée ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qui t'a dit ça ? Arrête de mentir ! Je sais très bien que cette histoire d'accident, c'est des conneries. Pourquoi tu m'as menti pendant toutes ces années ? Comment t'as pu me voler ça ? Bon, viens avec moi, s'il te plaît. On va pas parler de ça ici. Viens. C'est ici que ta mère est morte. Un matin, elle est montée là-haut et elle a sauté. T'es trop jeune pour t'en souvenir, mais
Ta mère n'était pas vraiment une personne très équilibrée. Je l'aimais, alors je croyais que ça pourrait l'aider. Et pendant un moment, ça a été le cas. Et puis, ça a empiré après ta naissance. C'est pour ça que tu me détestes. Mais je te déteste pas. Enfin, comment tu peux dire une chose pareille? T'es pas responsable de ce qui est arrivé à ta mère. Elle était malade, on n'y pouvait rien. Quand son état s'est aggravé, on a décidé de la faire hospitaliser. Ça a duré comme ça pendant 2 ans. Elle rentrait à l'hôpital, elle en sortait. Et puis un jour, les psychiatres ont commencé à me parler de troubles bipolaires. Alors on a essayé un nouveau traitement. Et ta mère s'est mise à aller mieux. Et puis un jour, elle est même sortie de l'hôpital et... je pensais qu'elle était vraiment guérie. Mais je me trompais. Je comprends pas pourquoi tu m'as rien dit. T'avais 8 ans quand c'est arrivé. Et je pensais que tu pourrais pas comprendre. Mais peut-être que j'étais trop lâche pour te le dire. Alors j'ai inventé cette histoire d'accident de voiture. Laura était au courant. Elle savait. On vient de recevoir les résultats de la balistique. L'arme avec laquelle on a tiré sur Élise Castel est un MR-73. Et elle a été enregistrée au nom de Jean-Pierre Gans. C'est une blague? Gans a déclaré qu'on lui avait volé cette arme en septembre 1998. Pile au moment où la petite Castel a disparu. Je crois pas aux coïncidences. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Vous posez quelques questions au sujet d'un manurin qui vous appartenait et qui vient de refaire surface. Je vois que vous comprenez de quoi je veux parler. Alors maintenant, vous avez le choix. Soit vous vous montrez coopératif et on règle ça ici, soit je vous embarque au poste avec les bracelets. Qu'est-ce que vous préférez? Donc vous me prenez pour un abruti. Vous pensez vraiment que j'irai tirer sur Élise Castel avec une arme qui m'appartenait en plus? Ce serait très malin pour brouiller les pistes. Surtout après avoir déclaré quand vous avez volé cette arme. Mais c'est la vérité! Je peux même vous dire que c'est Laura Castel qui me l'a piqué, cette folle! Je le sais, puisque mon fils me l'a avoué! Spontanément? Ou après que vous l'ayez frappé? Ah, je vous interdis, hein? Ah, vous m'interdisez rien du tout. J'ai eu une longue conversation avec votre fils hier soir. Ah oui, il faut bien occuper le temps pendant une garde à vue. Il m'a parlé de vos méthodes d'éducation. Oui, bah j'avoue, il m'est arrivé d'avoir la main lourde dès que Benjamin faisait des conneries. Comme par exemple sortir avec Laura Castel. Je me trompe ou vous ne l'aimiez pas beaucoup? Vous venez de la traiter de folle. Et cette fille est aussi dingue que sa mère. Jamais Benjamin n'aurait dû sortir avec elle. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Votre fils vous a désobéi. Et j'ai bien compris qu'il valait mieux éviter d'énerver Jean-Pierre Gans. Ah, nous y voilà. Vous êtes là parce que vous pensez que j'ai tué la petite Castel. Vous êtes un sanguin. Un militaire qui déteste qu'on bafoue son autorité. Même vos anciens hommes le disent. Qu'est-ce que Laura a fait pour vous mettre en rogne? Elle a refusé de quitter Benjamin comme vous le lui demandiez, c'est ça? C'est quoi votre problème? Parce que vous êtes une femme, c'est ça? Ah. Oui, c'est les mecs. Je fais ce que vous auriez dû faire il y a 15 ans. Mais à l'époque, vous avez mené cette enquête comme si la petite Castel valait pas mieux qu'un chien écrasé. Et ça, j'ai du mal à l'avaler. Qu'est-ce que vous cachez? Je l'ai pas tué. Tout ce que j'ai fait, c'est protéger mon fils. Le matin qui a suivi la disparition de Laura, Benjamin est rentré à la maison complètement bourré. J'ai pas posé de questions. J'avais peur de la réponse. Même s'il l'avait pas tué, sa vie aurait été bousillée dès que son nom s'est sorti dans l'enquête. On se remet pas d'un truc pareil. Enfin, pas dans une petite ville comme la nôtre. Je veux bien essayer de comprendre. Mais comptez pas sur moi pour pardonner. Alors maintenant, on va tout reprendre depuis le début.
Et on va commencer au moment où Antoine Castel est venu signaler la disparition de sa fille. Je suis venu m'excuser pour tout à l'heure. J'aurais dû réfléchir avant de parler du suicide de votre mère. Vous n'avez rien à vous reprocher, je vous assure. Tant mieux. Vous savez, Laura voulait qu'on s'enfuit avec vous. Je crois qu'elle avait peur de vous laisser seule ici. Peur de quoi? J'en sais rien. Elle pensait que quelqu'un lisait son journal. C'est pour ça qu'elle m'a donné les dernières pages. Je voulais pas qu'on sache ce qu'elle ressentait pour moi. Oui? Je viens de recevoir les résultats d'ADN. Pas de surprise pour l'identité de la victime, mais c'est bien Laura Castel. Par contre, pour le sang sur les vêtements, c'est une autre affaire. C'est celui de son père. Ben, comment vous savez? Jean-Pierre Gans nous a dit qu'Antoine Castel était bien habillé quand il est venu signaler la disparition de sa fille. Mais s'il avait passé la nuit à la chercher dans la forêt, ses vêtements auraient dû être sales ou déchirés. C'est mince. Mais suffisant pour me pousser à vérifier le cadastre. Et découvrir qu'Antoine Castel connaissait très bien le terrain où le corps de sa fille a été enterré. 2 ans avant, son cabinet d'architecte avait obtenu un permis de construire qui a été annulé pour cause de sauvegarde de l'environnement. Quoi de mieux qu'un terrain non constructible pour cacher un corps? Donc, Antoine Castel aurait tué sa propre fille. Ça va pas du tout, ça manque de lumière, et puis j'aime pas la circulation. J'ai pourtant fait tout ce que tu m'as dit. Oui, eh ben il faut recommencer. Castel, je vais vous demander de me suivre. À compter de cet instant, vous êtes officiellement en garde à vue pour le meurtre de Laura Castel. Préviens ma femme, dis-lui de s'occuper d'Élise. Vous ne trouvez pas que ma famille a assez souffert? J'ai reçu les résultats des tests ADN. Le sang retrouvé sur les vêtements est bien celui de votre sœur. Mais il n'y a pas que le sien. Tu comprends quelque chose? Pour moi, c'est du charabia. Il est écrit qu'on a également retrouvé le sang d'un autre individu. Et compte tenu du nombre d'allèles en commun, cette personne est de votre famille. Alors c'est sûrement celui d'Élise. Quand on l'a retrouvé, t'avais les mains couvertes de sang. Non, je suis navrée, Madame Castel. Mais les chromosomes sont masculins. Asseyez-vous. Votre père est passé aux aveux, dès que je lui ai montré ses preuves. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi? Pourquoi il avait tué Laura? Il reste encore des zones d'ombre à éclaircir. Mais pour l'instant, il refuse de nous parler. À moi, il me parlera si vous me laissez le voir. Papa, regarde-moi. Si tu veux que je t'aide, il faut que tu me parles. Tu ne peux pas m'aider. Tout ce que t'a dit Colombani est vrai. Je te crois pas. Je refuse de te croire. C'est pourtant la vérité. Je suis désolée.
Alors dans ce cas, dis-moi pourquoi tu l'as tué. Pourquoi t'as tué ma sœur? Depuis le début, je te demande de partir d'ici. Tu comprends pourquoi maintenant? Va-t'en, s'il te plaît. Allez, n'aie pas peur. T'es plus un bébé maintenant. Allez. Tu savais pas? Si, je savais. Ça fait des années que je porte ce secret. Ne me regarde pas comme ça. Après tout, c'est pour toi qu'on a fait ça, pour te protéger. Mais j'en ai marre, moi, que vous me protégiez. Je veux que quelqu'un me dise enfin la vérité dans cette famille. Sauf que t'es pas capable de l'entendre, la vérité. Si tu le voulais vraiment, tu la verrais de tes propres yeux. Tu réalises pas ce que ton père est en train de faire. T'as pas compris qu'il est prêt à sacrifier pour toi? Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu parles? C'est toi qui as tué Laura. S'il pleut. Faut pas qu'on traîne. On aurait dû en parler à papa. En plus, j'ai même pas dit au revoir. Je veux rentrer. Bon, ça suffit tes gamineries, tu viens avec moi. Non, je veux pas y aller. Pourquoi tu me fais du mal? Mais parce que c'est ce que tu cherches, non? La vérité? Alors il est temps que tu saches tout ce que ton père a fait pour toi. C'est lui qui a caché le corps de Laura. Et j'ose même pas imaginer ce qu'il a enduré, la douleur qu'il a ressentie à ce moment-là. Il a sacrifié Laura pour te sauver toi, la seule fille qui lui restait. Mais comment papa a pu croire que j'avais tué Laura? Mais parce que t'es comme ta mère, Élise. T'es bipolaire. Tu mens. Mais enfin, regarde-toi. Tes colères, ta dépression chronique. Ta mère avait les mêmes symptômes. Les médecins ont mis en garde ton père quand ils ont diagnostiqué la maladie de ta mère. Ils lui ont dit que ça pouvait être héréditaire. Ton père a passé son temps à guetter vos réactions à Laura et à toi. On a très vite compris que tu avais un problème. Et quand tu as tué Laura, ton père s'est senti coupable. Il s'est dit que c'était de sa faute. Il voulait pas qu'on t'interne et que tu saches ce que t'avais fait.
Laisse-moi. Je ne savais pas où aller. Mais venez, venez. Je croyais t'avoir demandé de partir. J'ai failli t'écouter. Mais ça, c'était avant que je discute avec Carole. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Tout. En tout cas, suffisamment pour que je comprenne qu'il y a un paquet de choses qui collent pas. Elle n'aurait jamais dû te parler de ça. On m'a tiré dessus. Qui voudrait m'éliminer si j'avais vraiment tué Laura? Qui, à part son meurtrier? Et l'arme avec laquelle on m'a tiré dessus appartenait à Jean-Pierre Gans. Son fils m'a dit que Laura la lui avait volée. Et je pense qu'elle avait avec elle quand elle est morte. Mais je sais qu'elle n'était pas dans les affaires de Laura parce que le contenu de son sac était éparpillé sur le sol. Au début, j'ai pensé qu'il s'était renversé, mais... Peut-être que le meurtrier cherchait quelque chose. C'est possible. Mademoiselle Castel, c'est terminé. Élise, fais attention à toi. J'ai pas envie de te perdre. Pas disponible pour le moment, alors laissez-moi un message. C'est Élise, j'arrive. Je vais avoir besoin que tu me files un coup de main. Je sais pas ce que c'était, mais je crois que Laura était en possession de quelque chose d'important et que c'est pour ça qu'elle a été tuée. Je t'en dirai plus quand je serai chez toi. J'ai confiance en toi, Benjamin. T'es la seule personne en qui j'ai encore confiance.
Benjamin ? Réveille-toi. Allez. Ouvre les yeux. Ça suffit tes gamineries, tu viens avec moi maintenant. Te faire mal. C'est rien. Je me suis juste tordu la cheville. Va te cacher. Vite. Pourquoi tu t'es enfui de la maison en pleine nuit? Puis où est ta sœur? Il est assez loin maintenant. Tu ne pourras plus lui faire de mal. Lui faire du mal? Mais qu'est-ce que tu racontes? Économise ta salive. J'ai trouvé la lettre que t'as envoyée à ma mère. Tu sais, celle où tu lui conseillais de mettre fin à ses jours. Tu dois savoir que ta maladie est source d'une profonde douleur pour Antoine et tes filles. Sache que quand tu étais à l'hôpital, ton mari était heureux dans mes bras. Et qu'il le serait encore si tes médecins n'avaient pas décidé de te laisser sortir. Tu vois, je l'ai même apprise par cœur. Où est cette lettre? Donne-la-moi. Tu penses bien que je l'ai mise en lieu sûr. Comment as-tu osé envoyer ça à ma mère? Tu savais que ça la détruirait. Elle s'est suicidée 2 jours après l'avoir reçue. Bon, ça suffit maintenant, donne-moi cette lettre. J'ai d'abord eu envie de te tuer. Mais je me suis dit, c'est trop facile. Tu mérites de souffrir. De souffrir vraiment. Je me demande ce que dira papa quand il saura que c'est à cause de toi que ma mère est morte. Élise ! Où tu es, ma chérie ? Élise ! Viens, mon poussin, viens ! Élise ? Élise ! Mm-hmm.
Faut appeler les secours. Vite. Sale petite gaste. Benjamin. J'avoue que j'ai du mal à acheter votre histoire. Qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas en train d'essayer de protéger votre mari? D'abord, on accuse le père, ensuite c'est au tour de la fille. Y a rien de mieux pour semer le doute dans l'esprit des jurés. Capitaine, à la seconde où Antoine va savoir que je suis venue vous voir, il va me détester. Mais tant pis, je peux plus me taire. Pourtant, ça n'a pas eu l'air de vous déranger jusqu'à présent. Oui, c'est vrai, je reconnais. On a commis une erreur en essayant de protéger Élise. Mais maintenant, je ne peux pas le laisser se sacrifier et aller en prison à sa place. C'est non-fumeur. Oh, excusez-moi. Est-ce que vous savez où se trouve votre belle-fille? Elle a passé la nuit chez Benjamin Gans. Je suppose qu'elle y est toujours. Qu'est-ce qui se passe? On vient de recevoir un appel de Jean-Pierre Gans. Il a surpris Élise Castel au domicile de son fils. Et alors? Elle venait de lui tirer dessus. Gans a essayé de l'arrêter, mais elle a réussi à s'enfuir. Si vous nous aviez parlé plus tôt, on n'en serait pas là. Je dirai plus quand je serai chez toi. J'ai confiance en toi, Benjamin. T'es la seule personne en qui j'ai encore confiance. Tu connais cette expression? Il y a quelque chose qui vous chiffonne? Ce message, il ressemble pas à celui d'une femme qui s'apprête à tuer son amant. Quoi? Cette folle vient de tirer sur mon fils et vous trouvez encore le moyen de la défendre? Rien ne prouve que c'est elle qui a fait le coup. Parce que je vous dis que je l'ai vue, de mes yeux. Ah oui? Et alors pourquoi elle vous a pas tiré dessus quand vous êtes arrivé? Vous avez vu son arme? Pas vraiment. Alors pourquoi elle s'est enfuie si elle a rien fait? Très bien, on lance un avis de recherche au nom d'Élise Castel. En espérant qu'elle fera pas de conneries avant qu'on la retrouve. Allô? Comment va Benjamin? Il est dans un sale état. Il n'y a plus qu'à prier pour que son cœur tienne jusqu'à l'hôpital. Je sais que vous me croirez pas, mais je vous jure que j'y suis pour rien. Benjamin était déjà blessé quand je suis arrivée chez lui. Je suis prête à vous croire, Élise. Mais il va d'abord falloir vous rendre. Mais je peux pas. Je sais qui a tué ma sœur, mais personne ne me croira. Surtout pas mon père. Si vous venez me voir, je promets de vous aider. Je crois que c'est trop tard. T'as trouvé la lettre? C'est merveilleux. Allez, donne-la à moi. Ton téléphone aussi. Donne! Comment t'as su que je serais là? Simple intuition. Une fugitive n'a pas beaucoup d'endroits où se cacher. Et tu m'avais parlé de cette cabane. Et tu comptes faire quoi maintenant? Tu vas m'abattre? Comme Benjamin? Pourquoi t'as fait ça d'ailleurs? Il t'avait rien fait. Non. Mais sa mort collait bien avec le petit scénario que j'ai improvisé. Tu vas vite comprendre. On va faire un petit tour dans la forêt. Allez, avance.
Lance un deuxième avis de recherche au nom de Carole Castel. Il faut la trouver le plus vite possible. Et amène-moi Antoine Castel. J'espère que t'as pas le vertige. Pourquoi ici? Tant qu'à finir, autant le faire en beauté. Imagine le titre. La dangereuse psychopathe tue son amant et se jette dans le vide, là où sa mère s'est suicidée. Pour une journaliste, avoue que ça a de l'allure, non? Tu t'en tireras pas cette fois-ci. Il y aura forcément une enquête. Certains se poseront des questions. Mais tu seras vite oublié, comme ta mère et ta sœur. Allez, avance. Allez. T'as pas de remords ? Mais pourquoi j'en aurais ? J'ai rien fait. J'ai toujours aimé ton père. Ta mère le méritait pas. Elle détruisait sa vie à petit feu. Quant à ta sœur, cette petite peste qui nous pourrissait la vie, c'était un accident. Toi, c'est différent. Tu ne laisses pas le choix. Allez, monte. Monte ! Allez. Tuer toutes les personnes que j'aimais. Si tu veux me tuer, tu vas devoir le faire toi-même. Si tu savais le calvaire que j'ai enduré, toutes ces années à avoir peur que tu retrouves la mémoire, ta mort va être une libération. Lâchez-la. Qu'elle est comme sa sœur. Elles ont toujours voulu détruire mon couple. Elles m'ont toujours détestée. Elles ont toujours souhaité ma mort. Vous sentez? Quand je vois ce désastre, je me demande si... Non, ne dis pas ça. Il fallait le faire pour Laura. Pour ta sœur. Comment j'ai pu être aveugle à ce point-là? Il va vous falloir du temps pour guérir vos blessures. J'ai eu l'hôpital. Benjamin Mingan s'est tiré d'affaire. Je pensais que ça vous ferait plaisir de le savoir. Merci. Pardon, ma chérie. Si j'avais su, je... Papa. C'est fini maintenant.